situation vraiment exceptionnelle. On vient d'apprendre il y a une demi-heure que la montagne va demeurer fermée toute la journée. Nous avons réussi à skier grâce à la patrouille de Big White qui nous a remontés en motoneige. Le lendemain, les remontées fonctionnaient. SkiMag est une présentation de eWool. Activez la chaleur. Cette émission est rendue possible grâce à Destination BC Supernatural British Columbia. La station Big White en Colombie-Britannique offre 119 pistes qui sont accessibles grâce aux 16 remontées mécaniques modernes. Retrouvons nos skieurs en montagne. Charles, qu'est-ce qui t'a amené ici? En fait, quand les gens me posent la question, je dis toujours « relocalisation de la protection des témoins ». Non, sérieusement, l'hiver 2015, les conditions étaient vraiment pas mauvaises, mais vraiment très mauvaises. Il n'y avait pas de neige à Noël. Puis j'ai regardé ma conjointe et j'ai dit « on pourrait faire un road trip dans l'Ouest après les fêtes ». Et là, elle me dit « on pourrait partir pour la saison complète après les fêtes ». Et on est arrivé à Kelowna, un peu comme un coup de tête. Et on est tombé en amour avec la région et Big White. Puis après un mois, on savait déjà qu'on voulait déménager ici. Rendu au sommet de Ridge Rocket Express, nous voulions monter voir le bol, mais le T-Bar retardait son ouverture. Louis-Charles, le patrouilleur, est encore venu à la rescousse avec sa motoneige. Louis-Charles, on était pas mal impressionnés d'être accueillis en français ici pour notre service de remontée spéciale. Moi, je suis Québécois, je suis né à Joliette et j'ai grandi à Montréal. J'ai déménagé dans l'Ouest canadien en 2003. Il y a une raison pourquoi j'ai déménagé de l'Alberta pour venir ici. Parce que c'est plus clément. Il y a beaucoup de neige, c'est plus clément, il y a beaucoup de neige. La neige est complètement débile ici. Alors, tu es patrouilleur, mais tu es aussi en charge, je pense, de tout le secteur avalanche. Hein? Oui, donc je suis un de trois prévisionnistes d'avalanche qui travaille ici à Big White. Ici, ça s'appelle Cliff Area. C'est à pic, hein? Oui, c'est très à pic, mais c'est pas appelé Cliff parce que c'est à pic. C'est appelé Cliff parce que c'est après Cliff Sirois, le grand-père de Kelsey Sirois, qui est une athlète olympique. Elle a gagné l'or à Sochi, puis l'argent à Pyongyang. Oui. Alors, puis toute une athlète. Et non, Cliff Sirois, c'est un des premiers membres qui était ici, qui a vraiment construit Big White pour devenir qu'est-ce que c'est aujourd'hui. En haut, c'est quatre chutes principales. Parachute, Pegasus, The Cliff et Camelsback. Je remarque là, des points noirs ici. Là. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, on a mis nos explosifs et on utilise cette carte-là ici le matin pour faire notre plan d'attaque pour la journée. Diviser les explosifs, c'est le plan de match. La chaise Cliff est en opération depuis peu. Et Louis-Charles, on le sait, quand il y a de la belle neige, de la neige nouvelle, les skieurs là, sont impatients d'y aller. Alors là, ils veulent savoir, ça ouvre dans combien de temps? Exactement. Ça prend combien de temps, là, faire tout ça? Tout dépendant des jours. Des fois, il y a des journées que ça peut nous prendre à peu près une heure. Il y a des journées qu'on a été jusqu'à 2 heures dans l'après-midi. Puis quand ça arrive à ce point-là, c'est on fait sûr que ça soit ouvert pour la journée d'après. On fait notre possible. Il y a tellement beaucoup de journées qu'on a été là qu'on a, on fait juste skier toute la poudreuse qu'on peut pour essayer de tout voir. L'important, c'est que ça soit sécuritaire. Exactement, exactement. Sécurité, c'est numéro un quand ça vient pour ce terrain-là. Ta première descente dans poudreuse du côté cliff, ça doit pas être désagréable. Oh non! C'est pas désagréable, mais tout dépendant des années. Il y a des années qu'on a pris des roches un petit peu, mais pour le moment, c'est bon. C'est vraiment bon. Parce que quand tu ouvres le secteur cliff, t'es le premier. Là. Alors, exactement. Il n'y a personne qui a fait de trace avant toi. Là. Non, jamais, jamais. C'est une des beautés de ma carrière. J'ai toujours les premières traces. T'as encore la passion du ski? Oh oui. Honnêtement, skier, c'est ce qui me garde en vie. Et tu veux dire quelque chose? Oui. Salut la famille, maman, papa, Louise-Hélène, ma soeur et mes neveux et nièces. Oui. Ils te regardent. Parfait. Charles s'ouvre. C'est bon pour moi. OK. Go. Go. Let's go.
All right. Allons-y. Comme le secteur Cliff n'était pas ouvert, nous avons décidé de descendre dans la forêt enchantée. Une des raisons, bien sûr, c'est la neige. Une des raisons principales, c'est la neige. La qualité de la neige. La quantité de la neige, c'est vraiment exceptionnel. Miguel, il y a juste une vitesse. En bas. Sauter, puis en bas. Cette année, on a un début de saison un peu au ralenti, mais Big White avait les meilleures conditions. Je n'irai pas pour l'Ouest de l'Amérique du Nord, mais je peux parler de l'Ouest canadien. Oui, définitivement, les meilleures conditions. On me dit qu'il y a deux canons à neige ici. Et en 9 ans, je pense que je les ai vus deux fois en opération. Alors, tout le couvert neigeux ici, là, il est naturel. Puis la température, bien là, on sait que c'est exceptionnel, là, c'est particulièrement froid. Ouais. Comme tu me disais, ça peut arriver là, une vague de froid là, par saison, mais le reste du temps... Le reste du temps, la moyenne de température joue entre moins 5, moins 10. Ça, c'est frais. Au Québec, on est habitué de ce qui est du moins 30, mais ici, quand il fait moins 30, la neige est vraiment différente. Elle est très transformée, il n'y a aucune humidité dans l'air, donc c'est sec, sec, sec. La neige, elle glisse pas beaucoup. Quand on est dans le sous-bois, là, c'est difficile parce que on n'est pas sûr si le petit congère de neige est dur ou s'il est mou. On a un petit problème d'équilibre avant-arrière, on fait ce qu'on peut. C'est magnifique, par exemple, au paysage, et puis ben, on s'amuse toujours, on est en ski. On a perdu! Tu me disais que le sommet de Big White, là, c'est très élevé. Là. C'est l'un des troisièmes sommets à BC, après Panorama et Kicking Horse. Plus haut que Whistler. Plus haut que Whistler. 100 pieds plus haut que Whistler. Donc, ça donne une belle altitude. Le village aussi est déjà plus élevé là, que des stations dans l'ouest où ça peut être un peu comme en slush. Alors, quand on arrive ici, là, c'est de la belle neige jusqu'en bas. Là. Et là, en fait, le village il serait à mi-montagne de Whistler ou Revelstoke, pour vous donner une idée. Hein? Alors, en plus de nous guider, parce qu'on apprécie vraiment ton aide, mais en général, tu es moniteur de ski. Oui, je partage mon temps entre moniteur de ski. Je travaille beaucoup avec vente et marketing à Big White. Je travaille pour développer le marché québécois. Les Québécois connaissent peu Big White. C'est une destination qui a une réputation plus familiale, mais qui reste à découvrir. Restez là. Depuis Big White, Skimag revient tout de suite.
Charles, les Québécois skient de plus en plus dans les sous-bois, mais les sous-bois dans l'Ouest, il y a des particularités. Oui, effectivement. On a le phénomène des... En anglais, on glisse les « tree wells ». Je pense qu'on peut traduire par un puits d'arbres, mais c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Ça peut être assez dangereux, même voire mortel. On pense que des puits d'arbres, là, c'est vraiment là, dans du gros ski d'hélicoptère, du ski, du kaski, mais même ici dans le bois, là, je regarde cet arbre-là, si j'arrive trop proche, c'est le phénomène de la neige, au fond, qui n'est pas compactée tout près de l'arbre. Alors ici, la neige est quand même assez bien impactée, mais si je m'approche du puits d'arbre, eh bien là, c'est beaucoup plus mou. Alors, on est à 50 pieds d'une piste damée. Les gens skient dans les sous-bois ici. Et lorsque une chute trop près d'un arbre tombée à l'inversion, donc tête inversée dans le puits d'arbre, et éventuellement suffoquée, malheureusement. C'est ça, la tête par en bas, là, c'est qu'on n'a pas d'appui, on n'a pas de place là, où se prendre, où se déprendre. Puis aussi, les dragons? Les dragons. Toujours enlever les dragons quand on skie dans le sous-bois. Jamais, jamais, au grand jamais skier seul, idéalement trois personnes, et toujours garder un contact soit visuel ou auditif avec votre partenaire. Parce que si vous perdez contact, remonter 50-100 pieds dans la neige poudreuse pour aller sauver quelqu'un, c'est quelque chose. C'est éreintant. Oui. Puis dernière chose, tu me disais, quand on passe proche des arbres, des fois au Québec, hein, on aime ça donner un petit coup d'épaule là, sur l'arbre pour faire tomber la neige. Ici, non, hein? Non, les arbres dans l'Ouest canadien sont très, très solides. Les branches sont hyper dures. Alors, vous ne gagnerez pas contre la branche, c'est sûr et certain. On les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles, on les évite. Oui. Autre phénomène dont on n'a pas parlé tantôt, Michel, des fois quand l'arbre te contacte, la neige tombe, puis là tu te fais ensevelir encore plus, puis plus tu te débats, plus la neige tombe. Alors c'est un autre phénomène qui n'est pas négligé non plus, qui n'améliore pas la situation. Quand on parle de montagne justement, puis une destination familiale, là, on parle de 20 % à peu près de pistes là, d'experts, mais ce que je remarque, là, c'est qu'il y a beaucoup de beaux terrains intermédiaires, intermédiaires avancés. Oui. Alors, c'est ça bien, Miguel. Il faut bien qu'il passe en dessous de la seule petite corde qu'il y a dans la piste. Et tout l'hébergement ici est ski in, ski out, donc c'est facile d'accès. Pas vraiment de navette à prendre, tu sors tes skis direct sur la piste. Ça, c'est vraiment exceptionnel. On a la deuxième meilleure capacité de remontée à BC avec 28 500 skieurs à l'heure. Hey, c'est beaucoup, ça. C'est... 28 500, ouais. Là, c'est énorme, ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a presque jamais de ligne d'attente. On est prêts pour le lunch. We've grown a lot as a community. We have some amazing new restaurants here, and we're really, really proud of them. So you can get everything from, you know, semi-fine dining cuisine, fine dining, sushi. We have it all. And you take care of all the food offering from Big White. You have that. So I take care of all of our day lodges, and we have everything from Alpine Burger Co. that's doing handcrafted burgers, down to just tasty treats from our coffee shop, and then all the way to the woods where you got to experience last night, and we had an amazing meal there. Une suggestion, la côte de bœuf est parfaite. Tout est succulent et recherché. What amazed me was the staff. Where do you find this staff? We get a lot of our staff from all over Canada. We have everywhere from Nova Scotia, Quebec, all the way that was born and raised in BC. And then we have a lot of Australians. And indeed, a lot of Australians. Yes. Nous suggérons aussi Le Globe, qui offre une ambiance plus décontractée avec des plats réconfortants et où le propriétaire Ross nous a enseigné l'art de sabrer le mousseux. All right, so it's just going to go one, two, three. Well done. Thank you. Now it's your turn. One, two, three. Yeah. Perfect. So I'm gonna have a successful night. Yes. Notre séjour est mémorable. Wow, that looks good. Et après le dîner maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On Gem Lake? On va se... Non, malheureusement, Gem Lake est fermé pour la journée à cause de la météo froide. C'est de valeur parce que c'est tellement un secteur qui est intéressant pour un skieur avancé, intermédiaire. C'est le secteur où les pistes sont les plus longues.
La remontée est la plus longue aussi. Et il y a vraiment une variété incroyable de pistes noires et doubles noires. Et ce qu'il faut mentionner aussi à Big White, c'est qu'à chaque remontée, il y a une piste verte. Ah, OK. Donc, oui. Les gens qui sont un calibre moins élevé peuvent quand même découvrir la montagne au complet. Exact. Les pistes de couleur verte, bleue et noire de l'ouest sont généralement un peu plus foncées que dans l'est. Oui, plus foncées. Ouais, généralement. Tu veux dire quoi exactement, plus foncées? Une verte peut être un peu plus difficile. Par contre, la qualité de neige exceptionnelle des cendres de ski de l'ouest fait que c'est beaucoup plus facile à skier. Oui, c'est ça. Et nous, maintenant, on va découvrir quoi? On va s'en aller dans le secteur de Powder Chair. Powder Chair. Yeah. Wow, Charles Duvaux de Powder Chair, là, ça ouvre tout un autre panorama encore. Oui, effectivement, on est comme au début du domaine alpin de la montagne. Oh, c'est vraiment spectaculaire. On a une belle vue sur Falcon Chair et tout le domaine de skiable de ce secteur-là qui est vraiment aussi super intéressant à skier. Quand on en parle souvent des Snow Ghosts à Big White, on pense que c'est une petite portion, mais c'est vraiment là, c'est tout vaste. Le sommet, c'est vaste. C'est vaste, c'est incroyable. Il y a de quoi s'amuser, oui. Là, être dans le féerique. Wow, la beauté du paysage. On se sent vraiment en vacances ici. Après la pause, la chronique équipement présentée par l'Accordé.
La chronique équipement présentée par L'Accordé, votre spécialiste plein air depuis plus de 70 ans. Le ski de fond, c'est un beau sport. C'est un sport que quand on pousse fort, ça devient aérobique. On vient avoir chaud rapidement. Christian, comment on fait pour avoir chaud, mais pas trop, parce qu'on fait des longues sorties? C'est une excellente question, Michel. Et puis justement, voici notre mannequin qui va nous montrer tous les éléments essentiels pour faire du ski de fond en grand confort. Alors, on commence avec la couche de base, qui est en fait le chandail en laine mérino ou en polyester. On a aussi la même chose pour le collant. Alors, les mêmes matériaux, soit la laine mérino ou le polyester. La différence entre les deux, c'est la laine mérino, c'est de la laine. C'est de la laine très douce, en fait. Et puis, elle est naturellement anti-odeur. Ça pique pas. Et puis, elle est extrêmement thermorégulatrice. Alors, ça nous aide à bien gérer notre chaleur et notre humidité. Si on passe au tissu en polyester, aussi excellent comme choix. Il y a même des traitements qui s'appellent Polygen, disons, chez certaines marques. C'est un traitement anti-odeur. Puis après ça, on finit avec notre deuxième couche, qui est le manteau et le pantalon. Puis là, on favorise avec un tissu coupe-vent à l'avant. C'est alors, ça, parce que je remarque que le vêtement est différent en arrière. Exactement. Le vent, c'est quand même notre ennemi. Et puis, c'est quand même mince comme manteau. C'est très respirant parce qu'on se réchauffe tellement rapidement. Alors, coupe-vent à l'avant, très respirant à l'arrière. Même chose pour les jambes, le pantalon. Alors, il y a des panneaux en maille respirante, un empiècement dorsal ici, qui va laisser toute la chaleur s'évacuer. Par la tête aussi, hein? Tout à fait. Alors ici aussi, c'est un tissu qui va permettre à la chaleur de s'évacuer, l'humidité de s'évacuer. Un autre morceau critique, c'est le cache-cou qui va empêcher les courants d'air de rentrer dans le manteau. Il ne faut pas oublier les bas non plus. On peut favoriser soit la laine mérino ou un mélange de polyester, d'élastane, etc. Et puis, c'est important de choisir un bas qui est un bas de ski de fond, c'est-à-dire un bas plus mince que ce qu'on trouverait dans le ski alpin. Ça prend une bonne protection pour les yeux aussi? Alors justement. Alors quand en descente, par exemple, il se met à neiger, ça fait mal aux yeux. Alors avec une bonne protection aux yeux, ça va nous protéger de tout ça, puis on peut skier en sécurité, en confort. Ça, c'est les lunettes spécialisées qu'on voyait pour le biathlon. Hein? À 100 %. Alors, merci beaucoup, Christian. Au plaisir. Avant de repartir vers notre prochaine destination, notre aventure se poursuit dans la ville de Kelowna. Combiner ses passions en Colombie-Britannique, c'est possible. Big White, la neige, le ski, bien sûr, mais Big White aussi, Kelowna. Ça veut dire les vignobles. Et faire une visite d'un vignoble, c'est possible en hiver, même tous les jours de la semaine. Ça vaut vraiment la peine. Mission Hills, vraiment, c'est formidable. Anthony Von Mandel est l'un des premiers à croire que l'on peut faire pousser du bon raisin dans la vallée de l'Okanagan. Il crée Mission Hill, qui gagnera, entre autres, le meilleur chardonnay lors d'une compétition internationale. This is my where office. You have to work. Yeah, not a bad office, right? Not bad, huh? No, it's a stunning view, stunning wines. I mean, you work in a quality environment with very talented people, and it's hard to not enjoy every day that you're here. So I'll lead you down this way to the cellar. Here in the cellar, this is what we call our show cellar. Our proprietor, he wanted to build a cellar that was functional so that we could showcase guests a proper environment to age wine and barrel. So one of the main reasons he purchased this land, Mount Bushiri, is a dormant volcano. So you can see that natural volcanic rock there. It's very porous, it allows moisture to get in. So you're looking at that 12, 13 degrees and 75% humidity all year round. So this is our proprietor's private cellar. All of our more notable wines are Oculus Compendium Quatrain. On the left side is more gifted bottles from partnerships. So we hosted the Royals, Kate and William, here in 2016. So there's a couple bottles from them. And in the back, probably my favorite part of this whole winery, those are all artifacts that have been found in archaeological digs, and they've been dated and verified that they have in some way been used to make or carry wine from different civilizations. So you have Greco-Roman, Chinese dynasties. The one at the very top is from the early Bronze Age, 1300 years before Christ. People were making wine. It's beautiful. I love it. Oh. Ça, Miguel, ça finit bien les vacances, hein? La semaine prochaine, nous serons au Québec, plus précisément au Mont Sutton, où les arbres sont également très enneigés. «
toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. Merci à nos nombreux partenaires. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. Merci à Destination BC Supernatural British Columbia et à la station de ski Big White.